merci à vous. Voilà. Les Japonais qui s'intéressent au bonsaï appellent ça Ushue, quand il y a trois, à partir de trois bonsaï. Ensemble, toujours avec ensemble. Gens, oui, d'accord. Et on travaille toujours plantes, artefacts, corps. D'accord. Et est-ce que vous êtes la seule à vous apporter ce paysage ou est-ce que de temps en temps les rôles s'inversent c'est bon, c'est normal, suivant les créations. J'étais venue avec d'autres orthèses, j'appelle ça une orthèse. Que les étudiants ont utilisé pendant le workshop, oui. Qui était plus simple. Donc c'est le même type d'orthèse. Celles-ci, elles sont très lourdes en fait, elles pèsent 7 kilos. Hein. Donc il faut imaginer. Voilà, et en fait c'est des objets que j'ai créés plus récemment, je les ai créés pendant le confinement, même si les bonsaïs, je les ai depuis beaucoup plus longtemps. Et pour moi, c'est une métaphore de ce que j'ai vécu pendant le confinement, à la fois cette espèce d'étranglement et le fait d'être obligé de tenir dans un espace le plus petit possible et sous perfusion. En fait. Ça pourrait être un masque végétal. Tout à fait, oh, oui. Voilà, donc ça c'est un objet qu'on a créé. Donc je suis obligée d'enlever mes lunettes, sinon la tête passe pas. Voilà. Regardez. Là j'ai froid. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler avec le végétal, avec Jean, je travaillais dans les arbres beaucoup. Et je travaillais avec des arbres qui me portaient. Et il y a un moment où les choses se sont inversées, où c'est moi qui me suis mise à porter des plantes, en fait. Et Jean est souvent là pour m'aider, parce que c'est dangereux, c'est parfois c'est un peu... Voilà. Au début, dans les arbres, c'était très important qu'il soit là, parce que je pouvais tomber. Et puis sinon... Au début, quand on a commencé à travailler ensemble, Pascal travaillait sur la mémoire. Et... Elle faisait des performances. Moi, je faisais surtout de la prise de vue vidéo et photo. On a commencé à travailler ensemble en créant le duo Antu, qui signifie esprit, fantôme, en langue indonésienne, parce que Pascal a vécu enfant en Indonésie. En Indonésie, dans le Sulawesi, il y a une pratique chamanique qui consiste à ce que les chamans fonctionnent par deux. Il y en a un qui rentre en transe dans la forêt, qui rentre en communication avec les esprits, et l'autre qui l'accompagne pour le sécuriser et surtout pour traduire pour le village ce que le premier a vu. Et en fait, ça, pas toujours, mais quelquefois, c'est un peu ce qui se passe dans notre façon de travailler ensemble. Et là, on ne pouvait pas se mettre chacun. De toute façon, on n'aurait pas pu. Il y a cette question de l'éloignement et du retour. C'est pas juste Pascal qui se promène comme ça. Il y a la question du duo. Et la question de l'attente aussi. Merci. 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 Merci.